n'est pas fatal, mais je fais parfois mal. Souvent, je suis dressé et sans bon la marée. Qui suis-je ? Un phare breton ? Mais non ! As-tu ? C'est ma bite ! Hello, c'est Picolac. C'est là, mec. Oh, oh, c'est Picolac. Aujourd'hui, cette vidéo un peu spéciale. Oui. Parce que c'est Noël et oui, on est ça. En compagnie du vrai Père Noël. Oui, c'est moi. Les gars, est-ce que vous connaissez un russe blanc? Est-ce que vous connaissez un russe blanc? Est-ce que vous connaissez blanc? Pas bleu, blanc. Comme ma barbe. Décale-toi, Père Noël, décale-toi par là. Voilà, encore un petit peu. Voilà, encore un peu. Je suis plus dedans, tu me prends pour un con. Vous connaissez la tradition pour le Père Noël? C'est de laisser un petit verre de lait et quelques gâteaux sous le sapin. Un russe blanc. Nous, on va laisser les petits gâteaux. Par contre, on va faire un verre de lait un peu particulier. Parce que c'est un verre de lait alcoolisé qui est... Un russe blanc. Voilà, un russe blanc. C'est parti. Deux verres. Deux verres. Glaçon. Tiens, Père Noël, je te laisse mettre quelques glaçons dans ces verres. Chez moi, on prend dans la nature le glaçon. La classique. Ok, hein. Père Noël, super, génial, merci. Ah, tu es parti. Alors, Père Noël, serre-moi un peu de Kahlua. Fais gaffe parce que j'ai pas mis les petits bouchons. Alors, tu vas doucement. Hein. Oh! Non mais là, donc là t'en as mis partout et en plus t'as pas mis beaucoup quand même. Ok, j'en mets trop comme d'habitude. Stop mec. C'est beaucoup trop. Mais tu me dis pas combien je dois en faire aussi. On va dire que c'est bon. Ouais c'est bon, c'est bon père. C'est comme pour mes reines. Une bonne dose. Vodka. Pour le russe blanc. Top. Je vois pas. Regarde la caméra, Père Noël. Ils sont là, les viewers. Enfermé dedans. Je viens vous sauver. Père Noël, mais t'es où? Il est descendu à la cave, ce con. Viens là, Père Noël. Oh. Allez, viens là, qu'est-ce que tu fais? Pas fini, là. Il manque le lait. Non, non. Je vais dire, si on en met pas plus, ça va être dégueulasse. Ça fait un peu comme les cloches de Noël. Jingle Bell, Jingle Bell. J'étais choriste dans mon enfance. Et bim! Oh! Le lait du Père Noël, White Russian. Yeah. Comme ça. À la nôtre, Père Noël. Allez, à la tienne, Père Parce Noël. Je sais pas faire, regarde, je trouve comment on fait. Alors, Père Noël? Putain. Ça se boit comme du petit lait, hein? Quand même pas. Mais c'est très 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 bon. Mais ça, c'est bon, ça. Je vais chercher des gâteaux et on va laisser ça au vrai Père Noël. Donc là, tu révèles à tout le monde que je suis pas le vrai Père Noël? Non. Donc là, en gros, personne n'avait rien vu. Et là, monsieur se permet de révéler. Ils étaient pas au courant. Voilà, je suis allé chercher des petits gâteaux faits maison qu'on a fait hier avec Quentin. Oui. Père Noël. Vous voulez d'ailleurs, on peut vous faire un tuto pour comment faire nos petits biscuits. Petits biscuits faits maison, entièrement faits maison. Voilà. C'est typiquement un biscuit classique avec une ganache chocolat. Chocolat, chocolat, lait. On va laisser ça pour le Père Noël et ses reines sous le sapin. Allez. Alors les enfants, on a un peu été sages cette année. On va pas avoir de cadeaux. Eh oui. Alors papa il a trop picolé hein. Du coup il a plus d'argent. Il va rien vous offrir. Abonnez-vous. Suivez-nous sur Instagram. Tu connais ça Papa Noël Instagram? Oui, oui. Papa Noël il poste des photos sur Instagram. C'est ça je poste des photos sur Instagram des fois. La Laponie, la connexion c'est pas... Y a pas la fibre. Et Facebook aussi. Facebook. Oui Facebook. Facebook. Mais surtout YouTube.
YouTube. Même professeur d'espagnol YouTube. Disait ça comme ça. YouTube. Alors Père Noël, à la fin de nos vidéos, on fait un kiss, toujours en vidéo. Pas sur la bouche. On fait un kiss à la caméra. Ça s'enlève pas ? Si, ça s'enlève. Ça s'enlève pas ? Si, ça s'enlève. Ça s'enlève pas ?